Salut! J'ai cru que cette journée n'arriverait jamais. Aujourd'hui, on libère mes petits petons. Je suis à l'hôpital, on enlève le plâtre. J'aurai le speech du docteur aussi pour me dire si je peux recommencer la trotte directement ou alors s'il faut un peu de physio. No problem. How are you? I'm fine. You? Yeah, good. I saw your YouTube video. Du kennst die Säge schon? Nee, aber er hat schon mir erzählt. Ja. Ça y est, je suis sorti de l'hôpital et vous savez quoi? Ma cheville va nickel. Je marche et elle est solide. La vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une vidéo que j'ai jamais fait sur ma chaîne. C'est complètement différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Je pars pas mal en voyage, en dehors des projets que vous voyez sur ma chaîne YouTube, pour faire des photos, des vidéos. D'ailleurs, mon compte de photos, je le mets juste ici si ça vous intéresse. J'ai une quantité de shots au drone que j'ai jamais utilisé. En plus, c'est les plus beaux shots que j'ai. Donc aujourd'hui, je vous emmène avec moi en voyage avec mes plus beaux shots au drone. Par contre, je vais pas commencer cette vidéo à l'hôpital. C'est pas très glamour comme endroit. Hein. Je vais plutôt aller voir des vieilles ruines. Et j'ai complètement oublié de vous annoncer la méga nouvelle. Bon, je vous l'annonce dans les ruines, c'est plus simple. Wow. Je suis pas aveugle, il y a des câbles. J'étais vraiment à deux doigts de cracher le drone. C'est le genre de truc qui fout vraiment les boules quand vous faites voler un drone. Vous voyez ce genre de câble au dernier moment. C'est pas la première fois, ce sera pas la dernière. Oh, il est bizarre ce renard. Ah non, c'est Milo. Après l'énorme succès des camps de trottes de l'année dernière, j'ai décidé que cette année, à la place d'une semaine, il y aurait 4 semaines. Ça a très bien fonctionné, il y a eu énormément de demandes après la première semaine de camp, donc là, cette année, il y en aura 4. Je vous mets tout en description pour les préinscriptions. Je vous laisse aller voir et nous, on se retrouve en haut de la tour. Il reste combien de marches? Oh. Pour le début de la vidéo. Je suis arrivé tout en haut de la tour, il est temps pour moi de vous montrer de quoi je parle. C'est parti.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en aurez pensé. Ça m'intéresse de savoir si j'en fais d'autres ou pas. Si vous voulez me soutenir, je me suis récemment créé une page Tipeee, je vous la mets en description. Parce que tout ce que je fais, c'est pas gratuit, ça demande beaucoup de temps et d'investissement. Donc si vous voulez me soutenir, je vous mets le lien en description pour ma page Tipeee. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.